Bon les gens, aujourd'hui c'est le cirque de Navacelles avec Jean-Pierre, Cathy et votre serviteur. Voilà. Alors pour l'instant c'est un départ très agréable sur du plat en forêt. Avec un bon petit chemin en terre. Comme dit Jean-Pierre, c'est l'autoroute du kiff. Voilà un bel endroit. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Oui, mais moi aussi je veux pas une petite confiture, tu as raison.
Jacques et Jean-Pierre. Oui. Au moulin de la Fouxe. Les pentes de Navacelle. Ah là, c'est parti dans le dénivelé, les gens. L'andasse. C'est pas des blondasses. T'avais pas vu? T'as une procession? Ah ben oui, il fait partie du cirque de Navacelle. Derrière, ça doit être plus large. C'est pas le cirque lui-même. Non, clairement, le cirque de Navacelle, c'est caractéristique. Oui. Tu vois Navacelle en bas? Oui, ah ça, ouais. Mais c'est ce qu'on a vu en début. Donc on va. On l'a vu du bas. Voilà. Normalement, là, si on se démerde bien, on doit le voir de haut. Là, quand c'est ça. On n'est pas bien là. Et allez, devant vous, le cirque de Navacelle, les gens. Et regardez un petit peu le village de Navacelle avec cette forme de cœur, là. On se croirait au lac du Montagnon. Bon, et devant nous, Jean-Pierre, notre guide du jour, le régional de l'étape. Merci à lui. Sur le chemin du retour, la troupe va bien. Nous arrivons au petit village de Navacelle. Point de départ et d'arrivée de cette merveilleuse randonnée dans le cirque de Navacelle.
se baigner l'été ici. Se baigner, c'est vachement bien. Bon les gens, rando terminé, tout s'est très bien passé, portez-vous bien, faites de beaux rêves, allez, un jour, bye bye.